D'où viennent donc les revenus de Crowd1? Crowd1 a créé deux plateformes, Affilgo et Mixter, à partir desquelles elle tisse des partenariats d'affiliation avec les plus gros opérateurs de jeux en ligne pour donner à des millions de personnes la possibilité de jouer via ces différentes plateformes. Affilgo, spécialisé dans les jeux en ligne et jeux de hasard, Mixter, dans les jeux sur mobile et réseaux sociaux. À ce jour, des partenariats ont déjà été tissés avec les géants tels que Betway pour les pays africains, Codere pour le Mexique et la Colombie et Common pour l'Inde. En gros, les gens jouent et toi, tu gagnes de l'argent. Mais comment ? Déjà en tant qu'actionnaire à Crowd1, tu peux revendre tes actions plus chères et te faire une fortune. Tu perçois des dividendes chaque trimestre. Et chaque semaine, la compagnie t'offre 2,5 euros d'actions. Mais ce n'est pas tout. Là où tu gagnes le plus d'argent à Crowd1, c'est en motivant d'autres personnes à acheter des actions et à jouer au jeu en ligne via ton lien d'affiliation. C'est de cette façon que plusieurs membres de Crowd1 ont pu se faire des centaines de milliers d'euros en moins de 6 mois. Combien ça coûte d'investir? Pas grand chose. Avec un minimum de 99 euros pour le pack White, tu peux devenir actionnaire de Crowd1. Et si tu es gourmand comme moi, tu peux prendre le pack Black, Gold ou Titanium selon ton budget. L'inscription se fait en moins d'une minute à partir de ton téléphone ou de ton ordinateur via le lien de ton parrain. Maintenant, tu devras avoir des questions. Tu te demandes, n'est-ce pas encore un de ces systèmes Ponzi ? Pyramidal, si recevoir des commissions pour avoir encouragé des proches à acheter des actions, c'est du Ponzi, alors le mobile money aussi, c'est du Ponzi. Parce que tous les distributeurs grossistes reçoivent des commissions pour avoir encouragé des particuliers à ouvrir leur kiosque ou agence mobile money. Peut-être aussi que tu te demandes si la compagnie est fiable. Crowd1 a 12 ans d'existence. Elle exerçait dans les formations en ligne et depuis un an s'est lancée dans les jeux en ligne. Son CEO, Johan von Holstein, qui est une personnalité reconnue par Wikipédia et membre du conseil d'administration du gouvernement suédois, n'a pas intérêt à salir son image. Tu te demandes aussi comment disposer de tes fonds. À Crowd1, pas besoin d'attendre la fin de la semaine ou la fin du mois pour retirer son argent. Tu peux le faire à tout moment par